أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. On a connu qui est Allah, on lui a montré qu'on est là pour l'adorer et on l'exprime par nos cœurs, nos langues et nos actes à travers Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons refuge. Et on arrive maintenant sur l'invocation. T'as vu tout ce qu'il y a avant l'invocation ? Connaître Allah, être dans l'unicité absolue, lui montrer qu'on n'adore que lui, et maintenant nous sommes dignes de demander. Et c'est maintenant qu'on va invoquer. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Alors, Ihdina revient à un nom d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Hadi, celui qui guide. Et Al-Hadi, c'est un nom qui est tiré de Ar-Rabb. Vous vous rappelez ? Ar-Rabb, le Seigneur, qu'on a vu dans le premier verset. Pourquoi est-ce que le nom d'Allah, Al-Hadi, celui qui guide, est lié au nom d'Allah, Ar-Rabb ? Eh bien parce que la guider fait partie de la subsistance qu'Allah donne à qui il veut. Avant même de regarder ce que tu as dans ton assiette, regarde ce que tu as dans ton cœur. Avant même de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal, avec quoi Allah Azza wa Jal t'a enrichi pour nourrir peut-être ta famille ou meubler ta maison. Regarde comment Allah Azza wa Jal t'a enrichi pour meubler ton cœur, meubler ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, subhanallah, on se fait aspirer par beaucoup de choses et parfois on oublie même le plus important. Le plus important, c'est d'être prosterné et qu'au jour du jugement, on soit lumineux et qu'on ait des visages rayonnants. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa lumière au jour du jugement, Ya Rabbal Alamin. Dans cette vie d'ici-bas, au jour du jugement et au paradis, Ya Allah, dites Amin, Ya Rabbal Alamin. Ihdina, guide-nous, toi, Allah, le seul qui est capable de guider. Yahdi man yasha, wa yudillu man yasha. Il guide qui il veut et il égare. Donc Allah guide qui il veut, qui il a élu, et il égare, il repousse qui il veut. Et c'est pour ça qu'on demande sans arrêt à Allah Azza wa Jal la guider. Ihdina sirat. Ah, sirat. Sirat ici, c'est un mot en arabe qui exprime plusieurs choses. Premièrement, il exprime l'immensité et la largeur, comme notre din. Notre dîn, en fait, il a des limites qui sont bien précises. On appelle ça la charia. Ces limites-là, elles ne sont pas franchissables. Mais certains frères, on a deux extrêmes. Certains pensent que les limites de la charia et le chemin sur lequel on va pouvoir avancer, cheminer, il est serré comme ça. C'est des gens qui, au niveau de leur âme, ne sont pas épanouis. Et d'autres veulent travestir la religion d'Allah Azza wa Jal. Et les limites qui sont là, ils veulent les repousser jusque-là. N'oubliez pas que ce n'est pas un système qui est d'origine humaine, mais un système d'origine divine. Et les limites qu'Allah Azza wa Jal met, c'est pour nous protéger. Le terme sirat signifie aussi le chemin le plus court entre un point A et un point B. C'est-à-dire, si je veux partir d'ici vers là, eh bien sirat, ça ne peut pas être un chemin qui fait ça. Sirat, c'est direct, inshallah ta'ala. Comme on dirait, droit dans le mille. Pour finir, je vais vous dire une parole, inshallah, qui est attribuée au salaf. Nous avons ici... c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous allons rester prudents dans l'affiliation à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez cette parole-là comme une parole de sagesse. Donc selon Nawas ben Sam'an, il rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné dans le sens. Et ça va résumer tout ce que je vous ai dit. Allah donne la parabole d'un chemin droit bordé par deux murailles, muni de portes ouvertes, mais couvertes par des rideaux. Un chemin, des murailles, des portes dans les murailles et des rideaux qui viennent couvrir ces portes. Quand un homme essaye de franchir l'une de ces portes, un autre crieur au-dessus de ce chemin le met en garde en lui disant « Malheur à toi, ne l'ouvre pas, si tu l'ouvres, tu vas y tomber. » Or, il va tomber s'il sort de ces murailles. Or, ce chemin est l'islam. Les deux murailles sont les limites d'Allah, la charia d'Allah. Les portes, ce sont les interdictions de la charia d'Allah, Azza wa Jal. La personne sur le chemin est le livre d'Allah. Et le crieur d'en haut, le sermonneur d'Allah qui se trouve dans le cœur de chaque musulman. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah nous dit « Le chemin droit est celui qu'Allah a agréé pour son serviteur qui s'y tient ferme après avoir reçu ses bienfaits.
et qui les traduit en actes et en paroles, qui sera parmi ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, regardez la récompense, parmi les prophètes, les justes, les témoins, et les rapprochés d'Allah en le dirigeant vers l'islam. Demande Allah Azza wa Jal de nous faire comprendre et de mettre dans nos cœurs, nos langues et nos actes le réel sirat al-mustaqim, la véritable voie droite. ونسأل الله أن يبارك في علمنا جميعا يا رب العالمين هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب